Peut-être cette interception de Claude Michel, il a le contre favorable. Le premier Coco Michel seul face à Montagnier, le voilà. Le but pour en avant Guingamp. Coco Michel après exactement 25 minutes en seconde période qui donne l'avantage 1-0 à l'en avant. Regardez la fête et on fait la fête au buteur qui marque son deuxième but seulement de la saison. Regardez la Spal qui est venue embrasser Coco Michel, c'est pratiquement fait. Il reste maintenant un petit peu moins de 20 minutes à jouer. On revoit le contre-favorable et Michel qui s'en va jusqu'au bout de son rêve. Un rêve qui veut dire D1 ici à Guingamp. Première division et les deux points dans les cieux de Francis Smerecki qui va évidemment aller sur la pelouse. Ah, il a du mal à extérioriser, il est timide, il est modeste Francis Smerecki, mais il aura réussi quelque chose d'exceptionnel avec ses joueurs Guingamp, l'équipe qui sera restée le plus longtemps en tête cette saison en première division, logiquement en deuxième division pardon, qui atteint logiquement la première division et on va envahir le terrain, ça c'est sûr. Je vais y aller tout de suite d'ailleurs avec un micro HF. On vous laisse y aller, on reste chez vous. Également de préciser que les mêmes scènes, on arrive avec la joie Guingampaise et ça va péter comme dit la Spal. Ce qui va péter c'est le champagne, ça y est Pierre, ils sont en D1, ils ont mis 5 minutes quand même à récupérer, à s'en remettre, mais là ils sont vraiment en D1 et on est complètement aspergés. Allez, on va aller voir Charles-Édouard Corridon.